Comment ça? Vous me dites que mes parents sont morts? En plus de ça, j'ai été adopté. Un jeune policier manque de tuer son collègue qui lui apprend que son père et sa mère, morts récemment dans un accident de voiture, l'ont adopté. Docteur Toscani? Bonjour, je suis Anaïs Domanier. Vous avez un patient nommé Malik Chérif. Je suis sa tantine. Comment avez-vous eu mes coordonnées? Ce n'est pas d'argent, mais des arguments. Je n'en doute pas. Je voudrais vous parler de Malik. On est inquiet dans la famille sur son passé psychiatrique. Je ne peux rien vous dire. Secret professionnel. Secret? J'en sais déjà beaucoup. Il paraît qu'il a failli tuer un homme. Les médecins ont dit que son knorrhate a été produit par une décharge électrique. Monsieur Chérif n'y serait pour rien. Bien que personne n'ait pu expliquer de quelle façon ce type se soit électrocuté. Pauvre garçon. Et maintenant, il apprend que sa vraie mère est une meurtrière. Si j'étais lui, je rentrerais à Paris. Mélusine et Raymondin vivaient heureux, entourés de leur fils. Raymondin respectait le souhait de Mélusine de ne pas la voir le samedi. Mais, influencé par son frère, Raymondin épia Mélusine un samedi. Mais il cacha sa découverte et les années passèrent. Geoffroy la Grandan était convaincu que les moines manipulaient son frère Fromont. Il incendia l'abbaye de Maizet. Plus de 100 moines trouvèrent la mort, dont Fromont. Rendu fou par le meurtre de son fils, par un autre de ses fils, Raymondin s'en prit à Mélusine, la traitant de « très fausse serpente ». Mélusine fit alors des adieux déchirants à son mari, se jeta par la fenêtre avant de s'élever dans les airs. Clément pouvait tuer à distance, et il en a abusé. Oui, il en a abusé. Il en a abusé. Daniel pouvait d'instinct déceler la vérité du mensonge. Tristan peut se téléporter. Je suis ta grand-mère. Fais plaisir. Rejoins-nous. Si Mélusine revint toutes les nuits s'occuper de ses deux derniers enfants, Thierry et Raymonet, elle fit tuer mourir. Raymondin se résigna à le jeter dans un bûcher. Ce ne fut pas le dernier de ses enfants que Mélusine supprima. Mes trois filles ont fait leur père. Je les ai condamnées afin que le remords soit moins lourd dans leur vie. Elles ne peuvent mourir que de vieillesse et vieillir qu'aimer un homme. Julie Domanier, j'écoute. Tu me téléphones alors que tu as tué mon mari? Tu as assassiné ton propre enfant, mon mari et mon neveu? Daniel et moi avons été un couple officiellement heureux durant 10 ans. Mais c'était un mariage blanc qui ne me permettait pas de vieillir. Nous avons eu notre temps. Laisse-nous mourir, Melior. Et moi, je veux vivre, ma chère Palestine. Mais pas sans vous. Une morsure de vipère? Ce qu'on avait pris pour un coup de couteau fatal n'était qu'une coupure bénigne. Incroyable.
Tout cela n'est que poudre de perlimpinpin. C'est vous la meurtrière ? Vous ne pourrez jamais rien prouver. Donc, puisque nous sommes entre quatre yeux, oui, je vous l'avoue. C'est moi qui l'ai tué. J'ai effectivement pris le train jusqu'à Porte Dauphine et j'ai donné rendez-vous à Daniel là-bas pour le tuer. Et vous allez me faire croire que vous êtes venu avec une vipère et que votre oncle s'est laissé mourir alors qu'il avait encore 3 heures avant que le venin ne le tue. D'abord, ce n'est pas mon oncle, mais mon fils. Et ensuite, je fais ce que je veux. Je suis une fée. Une fée ? Vous ? Oui. Une sorcière, si vous préférez. Je préfère ce terme. D'accord. Vous êtes habile de vos mains. Un peu de respect, mon petit. J'ai presque 1000 ans. Vous voulez des preuves ? Pardon. Et nous voici, Porte Moubec. La seule porte protestante du début du XVIIe siècle qui n'ait pas été détruite un siècle plus tard. Récemment rénovée en galerie d'art par Jean-Pierre Guémas. Si elles sont rarement d'accord, mes filles se protègent. Mélusine et ses sœurs voyagèrent au long des siècles. Parfois, elles se mariaient et vieillissaient. Excepté Melior qui ne souhaitait pas renoncer à cette éternelle jeunesse. Les trois sœurs durent déménager et se séparer régulièrement pour ne pas qu'on s'interroge sur leur longévité. Au milieu du XXe siècle, Mélusine se lia avec Achille Daumanier. Ensemble, ils eurent un fils, Clément. Ils élevèrent également les enfants de Melior et de ses relations de passage, Alain, Daniel et Christophe. Palestine épousa Daniel sous le nom de Julie et put vivre ainsi auprès de ses sœurs qui prirent les identités de Rosemary et Paula, fille d'Alain. Mais leur retrouvaille à La Rochelle ne pouvait durer qu'une petite dizaine d'années. Après la mort de Clément, Daniel prit l'ascendant sur les trois sœurs, trop au goût de Melior qui décida de le supprimer.